Salut tout le monde, c'est Drunkslan avec vous pour une nouvelle vidéo. Nous sommes de retour dans Frostpunk, deuxième épisode de notre aventure. Nouvelle aventure en français d'ailleurs. Donc on reprend là où on en était et ça va très très mal. Le jeu a crashé, j'ai quand même été obligé de reculer un tout petit peu, mais j'ai repris en fait ça. J'ai décidé aussi de faire travailler certains enfants. Donc c'est pas la grande joie, on s'entend. Là, ils travaillent. Il y a 6 enfants qui travaillent. Je les fais travailler. Je vais chauffer le lieu pour que les enfants soient au moins réchauffés quand ils travaillent sur place. Ce qui est déjà ça. Là, j'ai 4 absents pour cause de maladie au niveau de la cuisine. Ce qui n'est pas génial. Là, j'ai tous les chasseurs qui travaillent. Mais là, ils sont fatigués. Ils rapportent jusqu'à 15 vivres par coup. Donc là, j'ai 39 personnes sans abri. Parce que j'ai beaucoup plus de monde. C'est correct que la moitié soit sans abri. Je pense pas que ce soit la fin du monde non plus. Donc c'est pas si... J'ai besoin d'avoir des gens qui ont besoin. Et une maladie grave, 0. Bon, c'est pas si pire. Donc là, je suis en train de construire le beacon. On va reprendre ça. Donc on va reprendre là où on en était. Donc c'est parti. Donc là j'étais en train de faire la recherche sur la balise qui va me servir à aller regarder tout ça, voir à l'extérieur qu'est-ce que je peux faire avec ça pour retrouver des survivants. Là ça construit. Là il y a des patients bien sûr. Ça récupère, c'est très très long par exemple à récupérer ces gens là. Peut-être un petit peu de chaleur va les aider à aller un peu plus vite. J'en suis pas convaincu. Donc là j'ai des bâtiments de maison. Là j'ai celui-ci qui travaille. Il y a un maximum de personnes dedans. Donc là ce que je peux faire en attendant, je pourrais faire un extracteur hydraulique. En prenant la suppression des gisements de charbon, l'extracteur hydraulique permet de la précieuse ressource sous forme de tas, extrayant ainsi jusqu'à 560 de charbon par journée. Soit de quoi occuper deux postes de collecte. Donc je pourrais la mettre ici. En fait, je pourrais la mettre ici. Si je la mets ici, je pourrais la coller à ce poste de collecte là. Ce serait pas pire ça. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Je la mets coller ici. Donc là, elle va pouvoir se faire collecter par lui. Excellent. Et ça, c'est un poste de collecte. C'est un poste de collecte qui va être connecté avec lui. Donc, c'est bon. On va la faire travailler, ok? Extracteur hydraulique. Là, je suis en train de rechercher ça. Là, c'est sûr que pour l'instant, j'ai pas besoin de faire de route pour ce genre de choses. Des petites routes vers les extracteurs. Là, c'est là où je préfère. Je préfère faire ça. Parfait. Donc, là, il y a ça. Y a-t-il quelque chose que je peux faire construire en attendant? Un autre poste de chasseur, ce serait bon, mais je vais commencer à manquer de chaleur. J'aurais peut-être pas dû faire un deuxième truc de recherche. Je suis même pas sûr que ça aide à aller plus vite. Est-ce que ça aide à aller plus vite? Efficace à 100%. Efficace à 100%. Donc là, la balise est terminée. Donc je vais tout de suite en construire une, bien sûr. Donc, je vais la mettre. On s'en fout de savoir où je vais la mettre. Faut que je la colle à la rue. Ça, j'ai pas trop le choix. Je vais la coller à la rue ici. Donc on va la faire construire. D'accord. Là, il y a ça qui fonctionne. Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une nouvelle recherche tout de suite. Et là, je vais faire santé. Bah, en fait, il faut que je fasse tout. Collecte accélérée. Faim et santé. Équipement de chasse. On va aller faire travailler plus fort au niveau de la chasse parce qu'il nous faut énormément de bouffe. Et les chasseurs prennent énormément de temps pour travailler. Donc là j'ai ça, 15. Et hop, on y va. On va faire en attente d'ouvrier. Oh, c'est fermé pour la journée, je suis pas chanceux. Ça continue par exemple à construire, ce qui est déjà ça. Mais eux par exemple ils sont en pause. Donc là, pas de toit sur nos têtes. Je vais fournir des abris, donc là il faut que je fournisse pour 19 personnes, ça fait 2 abris. Donc 2 abris, c'est déjà ça, habitants. Donc là malheureusement je suis obligé de... J'ai juste des petits abris, ok. Donc là on va mettre un abri, deux abris. Voilà, 2 abris qui sont collés à la route. Je pense que eux malheureusement... Ah, ils sont à la chaleur, c'est supportable, ils sont à la chaleur. Donc c'est bien, c'est déjà ça.
façon confortable, jour et nuit, là là là, parfait. Donc là, il y a un changement météorologique, très très bien. Il va faire très froid bientôt, hein. Le niveau va descendre. Donc eux, ils travaillent pas, bien sûr. Eux, cabane de chasseurs, ils travaillent. Donc eux, ils travaillent la nuit, tout simplement. Là, il n'y a plus de malades, j'en suis fort aise. Et donc, eux, ils travaillent le jour et eux, vallée se construite. Super. Donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer un explorateur pour aller récolter absolument des ressources. Donc à chaque fois que je vais avoir des trucs comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais, si je tombe sur des gens, je vais les faire revenir tout seul et pas accompagner l'explorateur pour que l'explorateur puisse aller et continuer vers d'autres zones. Et en fait, il va revenir quand il va revenir. Donc là, on va commencer par ici. Et on va envoyer un éclaireur. On va ici. Pour ça, il m'en faudrait. Donc là, il me faudrait... Donc ça va me prendre 40 de bois et 5 ouvriers pour, boum, transformer ça en explorateur. Et là, j'envoie. Parfait. Donc là, il est parti. Il est parti. Ça, la construction est en cours. Ça, la construction est en cours. Donc, je vais avoir 2 tentes de plus. Ce qui fait que je vais être correct. En fait, je vais avoir suffisamment. Puis là, j'ai sauvé notre expédition perdue. Donc, il faut que je sauve au moins 20 personnes. Dépendamment de combien il y a de personnes. On va voir ça. Parfait. Donc là, on a quoi ici? Expédition prête. Ceci, nous en avons besoin. Tout le monde... Vos volontaires se sont avancés. Super. Donc là, ça veut dire qu'on est arrivé. Non, il est pas arrivé, il est en route. Arrivé dans 10 heures. Voilà, il arrive dans 10 heures, ok. La bouffe se fait, donc les chasseurs, eux, travaillent. Très bien. Là, la tente va être terminée, donc on va voir. Voilà, l'espoir augmente. Boum, ça devrait descendre le mécontentement. Traitement des cadavres, c'est vrai qu'il y a une nouvelle loi. Je peux-tu faire une nouvelle loi? Alors là, j'aimerais ça trouver une nouvelle loi sur la bouffe ou une arène de combat. Ça, ça serait bon, ça. Mais là, il faudrait additif alimentaire ou soupe. Nouvelle recette disponible. L'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement, servir de la soupe augmentera le mécontentement. Ok. Sauf ça, repas à la sûre disponible. L'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement. Diminuera en manquant des plats, en mangeant des plats à bas niveau, certaines personnes tomberont malades. Et ça va être de la soupe pour montrer le mécontentement. Donc de manière générale, ça va toujours augmenter le mécontentement. Et puis là, ils peuvent être un petit peu malades, mais c'est pas grave. Traitement radical, les malades sont traités dans les postes médicaux. Là, je peux faire aussi traitement des cadavres. Et un cimetière. Ou je peux aller avec une arène. Tout de suite faire une arène de combat. Vous devez construire une arène de combat. Boum. On va faire une arène de combat. Je pense que les gens vont être contents. Arène de combat. Oh, ça c'est gros par exemple, l'arène de combat. Oh my god. Il y a un endroit où je peux la faire. Genre ici, je pense. Pas adjacent à la rue, ouais, ça, je comprends. On va faire la rue après, mais là c'est donc ben gros. Ça a pas d'allure comment c'est gros. Ok, donc là non, faut que je le fasse à un endroit ici stratégique. Ok, voyons voir de l'autre côté. Je peux-tu la construire ici? Et là ça va, non, il n'y a pas assez de monde ici, ce serait mieux. Il y a plus de gens ici, ça c'est mieux ça. Oh oui, là je couvre beaucoup de monde. Ah, ça c'est bon ça. On va mettre ici, tiens. Boum. Puis là on va faire des rues. Là il va falloir qu'on fasse des rues. J'ai pas trop le choix, faut que je fasse des rues pour que les gens se battent. Là ça va couvrir tous ces gens là. Ok, donc là, on va essayer de faire des rues. Faut faire des rues. Boum. Là, on va construire des rues. C'est rue en construction, je comprends. Je peux pas en faire d'autres de rues, là?
faire des rues. Boum. Rue en construction. Rue en construction. Ça marche pas, j'ai l'impression, hein. Je peux pas construire. C'est parce que j'ai pas assez de bois pour ça? Ah, nous avons plus de bois. Ok, je comprends pourquoi. Est-ce que l'autre, elle travaille, là, ou elle travaille pas, celle-là? Putain, il y a du bois. Oh, fermé à cette heure-ci. Super. Ouais, je peux plus rien construire. Au moins, ça, c'est en train de se construire. Les gens vont pouvoir se battre, là. C'est super. Eux, ils font quoi, eux? Eux, c'est les expéditeurs, eux, ça? C'est eux qui partent en expédition? Fort possible. Fort possible. Ok. On revient. Là, il y en a qui meurent de faim. Donc là, les chasseurs sont partis travailler. Fermé cette heure de... Non, ça, c'est la cantine. Et les chasseurs travaillent. Super. Bon, là je fais quoi, là? Là, je suis en mode de ça. Parfait. Je suis en train d'essayer d'augmenter un petit peu ça. L'arène va être construite. Il n'y aura pas de route pour y aller, mais... Je pense que c'est pas grave. Les gens peuvent freiner. L'espoir augmente. Boum. Et ça fait 10 minutes le mécontentement. Super. Sauver les survivants. Donc là, c'est super, ça. J'ai une arène de combat. Les gens peuvent aller se battre. Allez-y. Battez-vous. Vous voyez ? Spectateur. Spectateur. Effet et passif. Ceux qui visent près d'une arène de combat se divertissent en regardant un spectacle sanglant. Et voilà. Ça commence à 18h30 à 23h30. Et là, il est 1h du matin, donc ça fonctionne plus. N'est point grave en soi. Excellent. Donc tous ces gens-là vont pouvoir se divertir avec avec des combats. Excellent. La balise. J'ai tout fait ça. La balise. Ok, parfait. Donc là, on va attendre que ça marche. Là, il y a des gens qui n'ont pas. Là, j'ai 3 affamés, mais ils sont pas mourants. Donc on va augmenter ça pour que la journée passe plus vite. L'expédition aille plus vite aussi. Là, j'ai 3 personnes qui sont... 3 sous-traitements. Ok, parfait. C'est super. On y est presque. Une nouvelle journée commence dans quelques secondes. Allez, boum. Là, la journée commence. Très bien. Donc, les gens iront se divertir. J'ai plus rien, j'ai plus de ressources pour rien faire, ce n'est pas grave. Une autre journée de travail pour nous. Parfait. Au niveau de la chaleur. Oh, il fait froid lui. Frais. Il fait très froid ici. Puis-je augmenter? Voir que je construise ça. Malheureusement, je peux pas construire. Ça construit plus parce que j'ai plus de bois. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Wow. Exploration, les erreurs ont atteint l'objectif. Ok, parfait. Fermé à cette heure-ci. Oh, là, il fait froid. Aïe. Là, ils ont froid, là. Comment je peux augmenter la chaleur? Là, j'en ai au moins pour 2 jours comme ça. Non. On va augmenter la chaleur à lui. Augmenter la chaleur à lui. Augmenter la chaleur de l'atelier. Lui est déjà en cours. Augmenter la chaleur à lui. C'est pas grave, j'en ai des ressources. Lui est déjà augmenté. Ok, donc eux, ils ont une chaleur supplémentaire. Elle fait super froid. Là, il y a des gens, et ça risque de tomber malade. Hein. C'est pas grave. Bon, là, ça avance. Ah, les inspecteurs. Parfait. Explorer. Escorter les survivants. Il y en a 22. Et là, il y a un risque. Les survivants vont diriger vers notre ville et ils perdront plus de temps. Et certains risquent de mourir. Ok. C'est pas grave. Fais-le. Ok. Toi, t'es en attente. Bah, tu vas continuer. Excusez. Tu vas continuer ton exploration. Abri robuste, site de l'accident, observatoire. Partie d'un dédié à l'étude de l'hiver et maintenant de la fumée s'en échappe.
Go, voilà. En direction de l'observatoire, go. J'espère que j'en aurais sauvé 20, parce que si j'en ai pas sauvé 20, ça va faire mal. Lui, il travaille, là, il fait très froid. La température va augmenter dans 6 jours. J'ai de la bouffe. Pourquoi j'ai des gens affamés alors que j'ai de la bouffe? Eux, ils travaillent. On va augmenter un petit peu ça. Poste médical, ils travaillent. Eux, ils travaillent. Et eux, ben, ils sont fermés, c'est normal. Parfait. Puis-je faire... Ce bâtiment ne peut accueillir d'expédition. Ok, c'est parfait. Bon, là, ils sont en cours. Peut-être que ça va être des ingénieurs, des enfants, 22 ouvriers. Donc, il faut que je sauvegarde 20 survivants sur tout ça. Là, il fait moins 40. Il fait vraiment frais. Ça n'a pas d'allure comment il fait frais. Là, j'ai un noyau. J'en ai un seul. De l'acier, du bois, du charbon. Ça va tenir environ 2 jours avec ça. C'est pas terrible. Il va falloir plus. Mais lui, il extrait de toute façon. Lui, il travaille. Lui, il travaille. Il est correct. J'ai recherche. Atelier. 2 ateliers, 3 ateliers. Ok, donc plus je commande les ateliers, jusqu'à son... Donc plus je mets d'ateliers, je peux en mettre 4 maximum. Plus ça va vite. Pour construire. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, est-ce que je peux construire un autre atelier? En fait, j'ai 0 ressources. Lui, il travaille, enfin. Bon. Recherche terminée. La chasse de la cabane rapporte 20% de... Ouh, parfait. Bon, lui, il n'y a rien à faire. Lui est en opération, mais... Impossible de reprendre la production nécessite... Ah ouais, j'ai plus de viande. Ok, donc là, on va tout de suite construire quelque chose. On va y aller avec une chauffage. Ça, c'est quoi? Cela nous permet de contrôler des foyers de chaleur. Ils sont alimentés par un générateur. Ça prend combien? On consomme 3 charbons par heure. Ouais. Là, je peux pas améliorer. Ça me prend 50 de bois. Il faudrait que j'augmente le radiateur tout de suite. De toute façon, là, une scierie pour du bois, construire des aciéries et extraire les arbres gelés. Go! Début de sol, quand on commence à collecter ces affaires-là, lui il travaille. Parfait. Là, les gens vont arriver bientôt, ben, dans quelques heures. Eux, ils peuvent plus... Pourtant, il y a des ratios. Ils peuvent plus travailler, mais il y a des ratios. C'est déjà ça. Là, moi, ce que je leur ai fait faire, c'est des repas. C'est ça, il y a un petit peu... Les repas sont un petit peu différents, parce que j'avais pris une loi, je pense, là-dessus, non? Ou la loi est en train de se faire... Non, je l'ai pas pris, finalement. Aïe, je la prends-tu? Je vais la prendre, les gens pourront tomber malades, mais c'est pas grave. Je préfère ça que la soupe, parce que la soupe, ça fait toujours augmenter le mécontentement de manière générale. Donc je préfère avoir des gens qui sont malades qu'autre chose. Bon, là, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Lui, il travaille, c'est super. Et lui, il ramasse du charbon. Très bien. Lui, il travaille aussi. Très bien. Est-ce que tout le monde travaille au maximum? Je pense que oui. Y a-t-il des combats ou y a pas de combats là? Aucun spectateur. Ça commence seulement à 18h. Peut-être qu'il va y en avoir là. Même s'il fait super froid. Heureusement j'ai du charbon. Hein. Heureusement j'ai du charbon. Je perds du charbon et j'augmente du charbon. Donc ça me va très bien. Donc eux ils sont où? Donc là ce que je vais faire... Est-ce que je peux construire quelque chose ou j'ai rien? Un atelier. Si je fais un atelier, là. Un autre poste de collecte. Je pourrais collecter quoi? C'est-à-dire que lui, comme il dit, ça fait travailler 2 postes de collecte. Je pourrais en mettre un ici. Est-ce que lui, il dit, en fait, en opération,
Lui, ça fait du charbon. Et il peut faire travailler deux postes de collecte avec ça. Ouais, je pense que je préfère quand même. Réfléchissons. Peut-être je peux faire une technologie juste pour aller encore plus vite. Tu sais, au moins je pourrais continuer à construire plus vite. On va faire ça, tiens. J'ai plus de bois. Donc au moins j'ai ça qui va se construire. Construis-tu ou ça se construit pas? Ouais, ça va se construire. C'est déjà ça. J'ai une route qui va y aller. Très bien. Lui, il construit pas parce qu'ils sont... Je sais pas trop où, là. Donc là, ils sont en pause. Mes contentements est bas. Je pourrais les faire forcer. Mais j'ai assez de charbon en soi. C'est le bois que j'ai pas. On va augmenter ça. C'est quand je vais avoir ça, ça va augmenter la production. Ce qui est une bonne chose. Donc j'aurai 3 ateliers sur 4 pour augmenter la production, la vitesse de production des recherches technologiques. Ce qui est une très bonne chose. Là j'ai 2 personnes en train de se faire nana. Là il faudra que je mette ici pour le bois, la scierie ici. Lui l'extrait, donc on s'en fout, mais lui ça va être dans le bois. Donc là on va faire travailler. Ah, j'en ai pas. J'en ai 0 disponible. Dommage. Où sont les ingénieurs? 5, 5, 5. J'en ai 5 ici, 5 ici, 5 ici. Ça prend des ingénieurs pour travailler ici, mais j'en ai de nouveaux qui vont arriver là. En fait, je vais en avoir 9. S'ils survivent. C'est une bonne chose. On va attendre qu'ils arrivent. Je vais augmenter ça. Ils vont arriver dans pas long. Je vais être obligé de faire des nouvelles maisons. Allez. Ils vont arriver maintenant. Je vais pouvoir les, tout de suite les mettre dessus. Ok, voilà. On a sauvé des gens. Combien sont vivants? Ça, c'est la question. Ah, je vois des décédés. Là. 2. Combien on a? Membres. Alors, cela fait chaud, nanana, il y a longtemps, ils doivent s'établir quelque part, nanana, ils vont sûrement aller nous aider. Parfait. Donc là, je me retrouve avec Max. J'en ai 5. Excellent, donc finalement, tout va bien. Donc là, j'augmente encore. Recherchez les autres. Nous avons trouvé une piste menant dans l'étendue. Nous devrions la suivre. Nous devons trouver d'autres personnes et leur demander de l'aide pour assurer leur survie. Parfait. Trouver une autre ville. Ah. J'ai combien de temps pour faire ça? Je pense que je n'ai pas de temps limite pour celle-là. Et heureusement. Et heureusement que je n'ai pas un temps limite pour ça. J'aurais eu peur. Allez hop, tu fermes. Bon, eux, ils travaillent. Super. Et encore. Eux, ils sont fermés. Ça, c'est quoi ça? Pile de charbon. Ah, c'est... Oh, waouh, ok, d'accord. Ce sont les piles de charbon, les fameuses piles de charbon. Excellent. Donc, lui, il récolte les piles de charbon. Il va falloir que je refasse plus de maisons. Lui, ça travaille plus, c'est ça? J'ai l'impression que ça travaille plus. Du bois, j'en ai plus, man. Ça a plus d'allure. Il me faut beaucoup de bois. Donc, quand ma série va être prête, je vais pouvoir la mettre ici. Et récolter toutes ces tonnes de bois, il y en a des tonnes. Oula, oula. J'ai le choix là. Mais je pense que la meilleure c'est ici. Faire une route qui va y aller. Puis je vais mettre ça ici en plein milieu. Puis on va récolter à fond. Pourquoi ça avance plus? Parce que je sais pas. Donc là on va les faire travailler dans pas long. Il va être 5h du matin. J'ai 5, 6 qui sont malades. C'est point grave. Le mécontentement est bas, l'espoir est plus haut. Donc c'est correct. Donc là, ils travaillent.
Ah, il devrait travailler. Travaille. Tiens, on va mettre de la chaleur. On va mettre de la chaleur pour... Il y a des hauts et des bas, faisons en sorte que ça continue. C'est au moins il y a de la chaleur. Ça c'est froid par exemple, c'est frais. Il me faudrait un peu plus de chaleur ici. Peut-être que je pourrais augmenter la chaleur. Bon là il me faut du bois. Et je vais augmenter tout de suite la chaleur après. Allez. Pourquoi la recherche est arrêtée? Oh, c'est fermé à 7 heures. Il travaille à partir de 8 heures. Ok, bon, bah augmente. Et lui, il va arriver. Super. Ah, il y a des survivants. Explorez. La lumière du soleil. Escortez les survivants à la ville. Envoyez les survivants en ville. Abandonnez les survivants à leur sort. Les survivants se dirigent à notre ville. Ils prendront plus de temps et certains risquent de mourir. Il y en a combien? Les enfants... 20... 19 ingénieurs. Waouh. Allez, on les envoie tout seuls. Grotte lugubre. Site de l'accident. Abri robuste. Faut que j'aille là. Go. Hop là, c'est parfait. Travail. Travail, mon petit explorateur. Ça me prend du bois. Et en plus, ressources manquantes du bois, maintenant on peut accueillir des... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, get to work. Parfait, donc lui va finir. Ils se sont-ils battus? J'ai même pas vu s'il y a eu un peu de... de bagarre. Sûrement. Sûrement. Ok, on a fini. Yes! Une scierie. Je te construis ça tout de suite. Je n'ai pas de bois pour ça. Mais le bois va augmenter bientôt. Allez, monte le bois. Monte. Qu'est-ce que... c'est qui ça? Pas trop là. Allez, le bois, monte. 7. Ah, on est bientôt au jour 6. Ça, c'est le jour 5. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, faut que je fasse tout de suite. Oh là là. Pourquoi il travaille plus, lui? Espace de stockage plein. Oh my god. Ok. Aïe aïe. Ok. Je n'ai plus de place. Ça c'est bien dommage. Alors je peux-tu... d'ailleurs il faut que je fasse travailler ça. Mais là au moment j'ai plus de bois pour faire quoi que ce soit je pense. Ah j'en ai assez pour ça. Oh j'ai 10. Je peux-tu faire une scierie avec ça? Une scierie. Oh là là. Ok. Oh my. Là, ça va y aller au tos. Je te le dis. On va essayer de maximiser tout ça. Oh oui, ça c'est bon. Toujours bon. Toujours... Non, là je suis au max. Non, je peux pas. Donc on va y aller comme ça. Ouais. Comme ça, c'est parfait. Ok. Boum. Il faut une route. Mais j'ai pas de bois pour ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Lui, il est plein. Là, les gens s'en vont travailler. Là, je peux plus travailler. C'est correct. Il va me falloir du bois. Eux, ils attendent une recherche. J'ai pas de bois. Donc, quand le bois va être bon, lui, il est plein. Il travaille au moins. Ok. Pénurie de ressources. Les ressources commencent à nous manquer, or nos besoins sont importants. Vous devriez peut-être signer la loi pour les rotations étendues. Rotation étendue. Construire dans cette ville. You, rotation. Ok, rotation étendue. Construire une ville dans cet enfer de jeu demande de sacrifier les habitants accompliront davantage grâce à des rotations plus longues. Les heures supplémentaires causent du mécontentement. Le mécontentement augmentera légèrement. Je suis pas convaincu de ça. Je suis désolé, mais je suis pas convaincu de ça. Je vais faire une nouvelle loi, c'est certain. Une nouvelle loi sur la bouffe. La loi sur les duels. Les accords... Nanana. Non, ça non. Un pub. Ça, c'est bon.
adaptation, traitement médical, cimetière, travail, toute tâche. Non, ça c'est correct. Je pense que c'est au niveau de la bouffe. Bof. Ça coûterait un peu moins de bouffe. Un petit peu de mécontentement, mais c'est pas grave. Là, j'ai pas encore assez de bois. Lui est toujours plein. Il va falloir absolument que il est en opération. J'ai plus de place. 5. Là, faut que je construise des routes. Je peux-tu construire une route qui va jusque là? Tellement pas. Tellement pas. Ça me prend combien de bois pour ça? 14. Tiens, si je la mets ici, ça m'en prend 12. 12. Ah, je peux faire quelque chose. Je vais les faire collecte accélérée. Ah non. J'ai pas assez de bois. Vivre cru, j'en ai pas beaucoup. 86. Lui, il travaille plus parce qu'il n'y a plus assez de vivres crus. Lui, il est en train de fermer, mais tu sais, ben. Allez, la Syrie. On se dépêche. À la recherche des eaux, trouver une autre ville. Bla bla bla. À court, débris d'acier. Eh ben. Oh, il y en a plus ici. Parfait. Donc là, il reste juste caisse de bois. Caisse de bois. Ah là, attends, lui il récolte 20 max. Ah ouais, il récolte là. Ça, c'est quoi ça? La manœuvre quadrée, la ressource suivante, charbon. Oh là là, ok. Oh, 17. Je suis bon là. C'est bon. On met ça ici et on va faire construire jusque là. Enfin! Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Attends, est-ce que je suis en train de faire des bêtises? Là, on met des enfants. Et là, les ingénieurs, pas vraiment. Donc, attends, on va diminuer un petit peu les enfants. On va en mettre 5 ici. Puis là, on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Là, ils travaillent à fond. Là, il y en a un qui est... Oh, ils sont malades, comment? C'est rien, ça. Pas grave, c'est mal. Ok, c'est pas grave. Ok, donc là, il faut absolument que je fasse de quoi. Attends. La Syrie, elle est construite. Donc, faut que je mette du monde. My God, il n'y a plus d'ouvriers disponibles. Ça craint. Là, il y en a un qui est malade. On va en mettre un ici. Là, il y en a trop. Faut que je fasse travailler à fond. Max. Donc je vais en enlever un. Pour en mettre un maximum. Max. Donc lui, il coupe. Lui, après, il faut une collecte. C'est ça, je pense. Un peu comme lui, finalement. Donc là, je vais... Quoi, t'as terminé? Ah non, c'est vrai, t'es en train de le faire. Collecte accélérée. Boum. On va les faire travailler. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut une collecteuse. Donc, je vais construire extracteur, une série, une poste de collecte. Donc, je vais tout de suite mettre un poste de collecte. Ici. Boum, ici. Ok, en construction. Là, il y a écrit quoi là? Aucune ressource récupérable à portée. Je sais, ça va s'en venir, t'inquiète pas, il va y avoir du bois comme un malade. Là, c'est quoi, là? Dormir dehors. Je vais maintenant leur fournir des abris. Pour 24 personnes. C'est parfait. On va faire des abris pour 24 personnes. J'ai pas de problème avec ça. Donc, quand j'aurai du bois, là... Je vais faire des abris pour 24 personnes. Ils vont tous être contents. La chaleur va remonter. Donc on va faire une pause dans cette vidéo maintenant. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein, on fait une petite pause pour celle-ci. Partie numéro 2 de notre aventure. On a des minéraux,
on n'a pas beaucoup de bois, mais on va avoir une scierie, donc ça va travailler fort, fort, fort. On a du charbon, et ça extrait le charbon, et j'en ai des tonnes. J'ai même plus de place pour les réserves. Donc malheureusement, je ne collecte plus de charbon. Mais c'est pas grave. Elle, il collecte du charbon en masse. Donc lui, il va collecter du bois en masse. Alors lui, il travaille, mais c'est fermé, c'est sensible, mais il va travailler. Je vais juste lui mettre un petit coup de chaleur. Donc, on va regarder au niveau des chaleurs. Lui. Lui. Qui a besoin de chaleur? Tout le monde est correct au niveau des chaleurs. Donc, lui, je lui ai mis de la chaleur. Ils sont loin au niveau du froid. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter. Quand j'aurai assez de charbon, je vais augmenter ça. Donc là, il est en cours d'apprentissage pour la collecte accélérée. Ils travaillent en collectron, là, ce serait plus vite. Ils vont aller plus vite pour toutes, finalement. Donc, on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que dès que j'aurai assez de bois ici, je vais augmenter ça. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer tout de suite à la puissance du générateur de 1. On va augmenter la puissance du générateur de 1. Donc, ça va aider. Ça va aider. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire sous la description si vous avez quoi que ce soit à me demander ou me dire. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et clochez-moi pour ne pas rater une de mes vidéos dès qu'elle sortira. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye.